La Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 y a du rebondissement. Du côté du Cameroun, que se passe-t-il de nouveau au Cameroun? André Onana balance un message énigmatique après sa mise à l'écart avec le Cameroun. Que va faire Samuel Eto'o fils? Les carottes sont cuites. Entre Samuel Eto'o fils et André Onana, grosse bagarre lancée. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Peu après son retour à Manchester United, consécutif à l'élimination du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire, André Onana a commencé à exprimer subtilement ses sentiments sur les réseaux sociaux. André Onana classe violemment Samuel Eto'o fils et réclame la tête de Rigobert Song. Les nouvelles ne sont pas bonnes au Cameroun. Le gardien camerounais qui a vu sa place lui titulé dans les buts de l'équipe nationale être attribué à Fabrice Ondoa a partagé un message sur son compte Snapchat révélateur de la frustration. André Onana parle sur Snapchat et fait une confidence sur Samuel Eto'o fils et Rigobert Song. Les carottes sont cuites au Cameroun. On peut manipuler une patrie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais jamais on ne manipulera tout le peuple tout le temps, a rétorqué André Onana contre Samuel Eto'o fils. Cette publication sur Snapchat semble traduire la déception d'André Onana qui a passé plus de temps sur le banc de tous. Plus de temps sur le banc de tous qu'à défendre les cages des lions indomptables durant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. André Onana avait rejoint l'équipe nationale camerounaise le zoom de leur premier match contre la Guinée à Yamoussoukro. André Onana était très content, mais hélas, il a été mis au banc. André Onana a été titulaire lors du match contre les lions de la Teranga du Sénégal. Ou le Cameroun. Le Cameroun s'est incliné d'un score de 3 buts à 1. Toutefois, pour les rencontres suivantes contre la Gambie et le Nigeria, l'entraîneur Rigobert Song a préféré Fabrice Ondoa dans les cases des buts des Lions indomptables. Cette décision semble avoir laissé des séquelles sur André Onana avec un sentiment d'insatisfaction, comme le suggère son message sur les réseaux sociaux. André Onana profite de l'occasion et lance du beurre sur la toile. Que va-t-il en venir de la Côte d'Ivoire? D'autant plus que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale contre le Mali. Le journaliste Krambena a abordé la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Le pays en tant que hôte fait face à des défis, notamment une grande victoire suivie d'une grande défaite. L'auteur a souligné le problème de mental tant chez les joueurs que chez les supporters et introduit le concept de Minceps ou état d'esprit, où l'état d'esprit est passé en Côte d'Ivoire. Il a appelé ainsi à un changement d'altitude, mettant en avant la nécessité d'une mentalité combative pour surmonter les obstacles. Depuis le 13 janvier 2024, la Côte d'Ivoire vibre au rythme du football. 40 années après l'avoir organisé pour la première fois dans l'histoire, le pays des éléphants de Côte d'Ivoire a accueilli le nouveau concept, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est à sa 34e édition. Une semaine après le début de cette compétition, tous les observateurs s'accordent à dire que c'est l'une des Coupes d'Afrique des Nations les plus relevées et les plus réservées au regard des résultats des 20 premiers matchs. Que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire et au Cameroun? Que va faire Samuel Eto'o fils contre André Onana?